Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Carton jaune à Hassimi et ses hommes. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. La proposition de 5 ans, comme durée de la transition, a vite soulevé des réactions diverses, dans l'opinion malienne et internationale. Au Mali, classes politiques et associations expriment leur désaccord vis-à-vis du chronogramme proposé par les autorités de la transition et leur soutien. Certaines personnalités se sont aussi exprimées sur le sujet. L'ex-ministre Ahmed Sow dit de son côté que, s'il était Assimi Goïta, j'écrirais dès demain au chef d'État de la CEDEAO pour les informer que je retire le chronogramme de 5 ans, comme durée de la transition. Je chercherai à organiser les élections au plus tard en février 2023. Je m'apprêterai pour une alternative de 6 mois, comme proposé par une partie des Maliens, lors des assises nationales. La CMAS de Mamoudi Ko a, elle aussi, rejeté la proposition. Les groupes armés aussi. Certaines organisations politiques appellent déjà à un rassemblement populaire pacifique pour dire non, fermer les guillemets aux 5 ans proposés comme durée de la transition. Même dans le camp des soutiens de la transition, certaines voix disent que 5 ans, c'est trop pour une transition. En dehors du Mali, des voix se sont également élevées pour critiquer le chronogramme de la junte au pouvoir. Le président Alassane Dramane Ouattara, selon certaines informations, aurait qualifié de plaisanterie la proposition de 5 ans comme durée de la transition au Mali. Alors, même si la transition peut compter sur des soutiens indéfectibles, il faudra compter avec une opposition qui ne va certainement pas se laisser faire. Minimiser cette opposition serait une erreur grossière de la part du colonel Assimi Goïta et ses hommes qui doivent prendre ces mécontentements contre la durée de la transition comme un carton jaune. Comme le dit Dr Ahmed Sow, ils peuvent encore se ressaisir en retirant la proposition et allant vers une période plus consensuelle. Que Dieu leur donne cette inspiration. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.